Yo, salut les athlètes, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. On se retrouve aujourd'hui pour une courte vidéo sur la prise de mesure qu'on a fait avec Seb la semaine dernière dans le cadre du Pumping Iron pour voir si effectivement on va prendre un petit peu de muscle au bout des 2 semaines ou si pas du tout. Et ensuite on a craché un petit WOD, c'était quand? C'était mercredi je crois, mercredi dernier, avec Alex, ou non c'était lundi dernier, avec Alex, Seb et moi-même. On est parti sur le WOD de 16-30 avec la team. C'était un WOD d'HSPU, de Toast to Bar et de Double Under, je crois. Plutôt sympa, enfin en tout cas, c'est tous les éléments que j'aime bien. Donc je vous laisse avec cette vidéo, je vous souhaite de passer une excellente semaine et on se dit dans la prochaine vidéo. Allez, à plus. Ciao la team, okay. Bye. Dans le cadre de Pumping Iron, on va prendre les mesures pour voir un peu s'il y a une évolution dans 12 semaines. C'est pas dit parce que j'ai déjà pris au moins 2 cm de muscles de partout. Quoi? C'est pas vrai? En 2 semaines. En 2 semaines. Allez, c'est parti. Donc là, c'est la deuxième semaine. Donc c'est un peu... T'as pris un petit peu de retard. Ouais, j'ai pris un peu de retard. Vas-y, on va commencer par les avant-bras. Ici, on prend au plus gros. Ok. Dans le sens. À fond, là. Il se fout de ma gueule, en plus. Et serre pas trop le truc, là. Essaye pas de m'écraser le... Là. Mais t'es complètement en biais, là. Regarde-moi ça, là. C'est là, le plus gros. Hein? Voilà. Après, ça essaye de me cheater, là. Bras droit. Bras droit. Ok, 29. Bras gauche. Mesure. Ouh. Déjà, je vois que. Je pense que. Il y a une différence déjà. C'est plus gros là. J'ai l'impression. Voilà. 28. C'est des inches. Hein, c'est des inches. Biceps au plus gros. Idéalement, mais bon, on n'a pas que ça à foutre. Il faudrait prendre 3 mesures à chaque fois. 36. 36 inches, c'est la taille de Schwardy, je crois. Le mot. Et. Oh putain, je fais ça. Là, t'es équilibré. Mec. Mec. Il n'est pas assez large, toi. On va essayer d'être droit. Je descends les bras ou pas? Ouais, tu peux descendre les bras. Relâchez. Vas-y, relâche. Là, je suis serré, là, par contre. Hein, tu m'écrases les pecs. Hein. Ok, je relâche. C'est bon, là? Ouais. Est-ce que c'est droit de l'autre côté? Bonnet 95. Tu peux mettre ensuite. Ok. Et du coup côté gauche. Cuisse. Alors cuisse, juste c'est un peu plus compliqué. On va prendre au plus gros. Après pour être sûr de refaire la même chose la prochaine fois, il faudra prendre la mesure par rapport à la rotule, pour savoir à quelle hauteur on était. Ok. Je sais pas, sinon c'est pas très facile. Putain, ça y est. Contracte. Et relâche. Laisse ton doigt ici. 52 et on est. Voilà. 16 cm de la hauteur. Bon, déjà j'ai les cuisses plus grosses que les biceps. Normalement, c'est déjà bien. C'est bon signe. Vas-y, relâche. 51, c'est la cuisse qui te paraît plus faible, ça? Ouais. Ça, c'est confirmé. 37. 35,5. 37 et 35,5. Bon, il va falloir que je fasse des... Il va falloir faire des mollets. Relâchez, hein. 80. Je note mes mensurations en rouge pour que tu vois le retard que t'as. Ouais, ce sera flouté de toute manière. Je vais regarder plus de squats. D'accord, et tu pèses combien toi? 70. 70.
70, moins 69,9 ou 67. Faudrait que je me teste, tiens, je vais me peser là. Et du coup, ça veut dire que. Donc en gros, tes 6 kilos, ils viennent de tes cuisses. Il fallait pas rien dans le pec ou dans les cuisses. Bon, on va partir pour le wod avec la team. Seb s'est chauffé, Alex peut-être il va se chauffer, donc c'est parti.